C'est l'heure du snack. Le carré pan, comme son nom l'indique, est un pain au curry. Mais ça, on s'en fout aujourd'hui, c'est pas le sujet. Laissez-moi plutôt vous parler du hage pan, ce qui compose le contour de ce snack. Littéralement, le hage pan, c'est du pain ou plutôt de la pâte frite, mais pas comme ce qu'on retrouve autour du poulet frit, non, ça se rapproche plutôt de ce qu'il y a des beignets ou des donuts. Et en plus, il y a des copeaux de friture par-dessus, donc il y a un petit ensemble bien grassouillé, et c'est un petit peu sucré, et c'est ça qui fait la différence avec la friture normale. Et quand on met une garniture salée dedans, c'est juste... Un carré pan. Je suis pas hyper fan du curry japonais comme je l'ai déjà dit. Mais le pain là un peu sucré c'est tellement bon. Bien sûr je l'ai demandé chaud. Le pain sucré là, il est vraiment délicieux. Je sens que vous en voulez encore. Allez, deuxième test, c'est parti. Ham total t'as le maillot, non, hage pan, pain frit. C'est frit, c'est les meilleurs pains, ceux-là c'est les meilleurs. Jambon tartare, sauce tartare, donc on va goûter ça. L'heure du snack. Ils sont vraiment bons, c'est pas un frit là. Tu vois un peu le gras là ? Il fait sombre, ouais. Et si en plus vous avez la chance de trouver ce type de pain avec une bonne saucisse dedans, là c'est le... Tengoku. C'est snack avec de l'hage pan. Quel est le verdict ? Ils en vendent pas assez ! C'est trop bon ! Faut en mettre partout ! De l'hage pan, de l'hage pan, de l'hage pan !